Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'étude de Medex. Que vais-je faire? Je suis en quarantaine les amis, aïe aïe aïe, c'est chaud, c'est chaud. Je sais qu'au Canada c'est pas si chaud qu'en France, en Italie ou en Chine. Mais bon, nous ça commence à devenir chaud, tout est fermé, les écoles sont fermées, certains travails sont fermés, les bars sont fermés, les restaurants, la plupart des trucs sont fermés. Mais le barbershop, l'esthétique, la coiffure, on n'a pas encore fermé ça. Mais par choix et par, je voulais protéger les clients, me protéger, la famille et tout ça. Donc je me suis dit, bon, je vais rester à la maison. Oui, ça fait mal aux poches, hein, le portefeuille, l'argent ne rentre pas. Mais bon, ça va. Mais je me suis dit, je vais voir le bon côté des choses. Hein, faire plus de vidéos pour vous. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment faire pousser une barbe. Si vous avez une petite barbe, pas de barbe, quelques poils par-ci par-là, il y a un moyen de justement de réveiller ces poils là. En fait, ces poils qui poussent pas, t'as sûrement des petits poils jaunes là, hein, les poils de petits poussins là. Hein, vous le voyez, si vous, tu zoomes là, tu prends ta caméra, tu zoomes au fond là, tu vas voir des poils qui dorment tranquillement comme ça, qui ne veut rien savoir de toi. Pour vous rappeler, j'avais presque rien sur ma face, on va dire. Donc vous voyez cette forme de barbe beigne là, j'avais rien en fait. J'avais comme une moustache presque apparente, quelques poils par-ci par-là. Ici, j'avais même pas de favori, hein, je vous jure. Dieu m'entend parler, j'avais rien, rien, zéro. Et pourtant, dans ma famille, mon père, quand je vois mon père, il y a une grosse barbe et tout là, je me dis, mais putain, toi tu me donnes tout, 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 sauf ça, hein. Comme ça, comment veux-tu que ma femme me respecte? Je sais pas, j'ai fait des recherches en fait, j'ai regardé, est-ce qu'il y a moyen, de me faire pousser une barbe, tu vois. J'avais quel âge là? J'avais déjà 22 ans là, j'avais rien, rien, zéro là. Hein, à part mes petits waves là que les femmes trouvaient cute, hein. On est nos jours, qui veut être cute? On veut pas être cute, on veut être beau, on veut être, un homme. Pour ce faire, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait justement pour avoir le peu de poils que j'ai. En fait, en ce moment, il n'y a pas. En fait, il y a 2-3 jours de cela, je me suis fait un self-cut. Donc, si vous voulez avoir une vidéo de ce self-cut là, si vous voulez que je fasse la vidéo, en fait, j'ai filmé la vidéo. Mais si vous voulez que je monte la vidéo, je vous en prie, fais en sorte que cette vidéo que je filme en ce moment ait 1000 likes. Donc s'il y a 1000 likes, je fais sortir l'autre vidéo. Donc juste pour une façon de m'encourager en fait, de faire plus de vidéos, vous voyez. Donc en ce moment, je suis en quarantaine, j'ai rien à faire d'autre que faire des vidéos pour vous. Donc si vous voulez voir le self-cut, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est self-cut, c'est bon, se couper soi-même dans le fond. Je me suis coiffé moi-même, comme vous voyez le dégradé, hein, la tablette là, c'est ça, j'ai fait ça tout seul comme un cran. Donc pour revenir à notre sujet, j'avais quand même les poils ici, et ça pousse quand même assez vite ici, donc là c'est encore plus concentré vers le bas. Donc je vais mettre des vidéos là, vous allez voir, ici c'est un peu vide. Donc j'ai pas encore atteint mon objectif. Ça fait quoi? Ça fait 22 ans jusqu'à là, j'ai 29. Non, pas 22 ans, c'est, ouais, je commençais à avoir à peu près à 24 ans, je commençais à avoir de la barbe. Imagine à 24 ans, comme si mon adolescence commençait à 24 ans, vous voyez. Alors j'ai encouragé les poils là, à chaque fois qu'il y a un qui poussait, j'étais comme let's go. Et là ça commençait à pousser, je massais, je mettais de l'huile, le minoxidil et tout. Bon, pas trop parler trop vite, on commence. En fait, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un produit qui s'appelle minoxidil. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu parler de ce produit là. J'ai quand même quelques recherches, j'ai regardé des vidéos et ça avait l'air de bien marcher. Donc je regardais les gens qui partaient de presque rien ou qui avaient un peu de barbe, ou il y en a qui avaient comme des poils ici et boum, genre ils sont devenus des dieux, tu vois, la grosse barbe, et tu te dis ah. Et donc je me suis lancé, je suis allé acheter ça à la pharmacie. Et la marque, toujours la même marque que j'utilise en ce moment, c'est Rogaine. Donc c'est minoxidil Rogaine, 5% en fait, pour hommes. Moi, je ne suis pas un docteur, je ne veux pas dire, oh, je vous conseille ça ou pas. Donc moi, je vous montre un produit qui a fonctionné pour moi. Et si vous voulez essayer, bah, faites vos recherches, vos propres recherches. Et puis voilà, s'il y a quelque chose qui arrive, je ne suis pas responsable. Mais ça m'étonnerait qu'il arrive quelque chose de très sérieux. Je commence à avoir des résultats visibles pour moi à partir de deux semaines. Là, tu vois déjà que les poils commençaient à se réveiller tranquillement. Mais on les voyait pas, tu vois, c'était juste pour toi. Donc tu te sentais bien, tu voyais que genre... oh shit, ok, il y a des poils, il y a un poil ici, un poil là, il n'y en avait pas, tu vois, en fait, il y en avait ou il n'y en avait pas du tout. Donc tu vas voir les poils par-ci par-là, tu es comme waouh, tu te sens bien, c'est juste personnel quoi, tu te regardes à chaque fois. Je vous jure, à chaque matin je me réveillais, j'allais devant la fenêtre parce qu'il y avait comme beaucoup de
beaucoup de soleil le matin. Et je prenais mon miroir, je commençais à me mater, regarder les poils, zoomer. Donc j'étais vraiment, 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 comment dire en anglais, into it. J'étais vraiment comme fasciné par les poils qui poussaient, par ma barbe. J'avais vraiment hâte. En fait, moi, tout ce que je voulais au début, c'était juste avoir au moins ça au menton. Ici, là. Juste ça avec la moustache et ça va. Donc, le but de cette vidéo, justement, c'est de vous montrer. Juste, je veux me faire pousser une barbe, en fait. Donc, je veux que vous voyez la progression de ma petite barbe. Et j'aimerais qu'elle soit aussi intense qu'ici, on va dire. Vous voyez, ici, c'est quand même noir. Mais le problème, c'est que j'ai des petits trous un peu partout. Donc, j'aimerais vraiment la remplir. Je vais faire ça avec vous. Chaque semaine, je vais faire une vidéo pour vous montrer, justement, comment ça avance et tout. Donc, je mets ici. Tchou, vous voyez, je viens frotter, masser jusqu'à ce que ça pénètre. En fait, jusqu'à ce que ça sèche. Et à la fin, je reste avec, on va dire. La nuit, tu peux dormir avec, tu vois. Tu peux dormir, te lever et puis laver la face. Bah, le matin, tu peux juste comme le mettre. Et après 30 minutes, 1 heure, tu l'enlèves. Puis tu mets ton huile, ta crème, peu importe. Donc, pour aujourd'hui, je vais faire ça parce que j'ai déjà fait avant de faire la vidéo. Mais, on est quand aujourd'hui? Mercredi? Donc, ça va être à chaque mercredi, en fait. Chaque mercredi, on est mercredi, hein? Ok. Chaque mercredi, je vous fais une vidéo, justement, parlant de la barbe, la progression de ma barbe. Et vous allez voir, si ça vous encourage à le faire, ben, vous le faites. Mais faites vos recherches, ok? Ne me suivez pas comme des moutons, là. Donc, faites vos recherches. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas de liker ma vidéo. Sinon, on se dit à la prochaine.